foreigners. Starboy. Yeah. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear them no reach, oh way. 20 man shall fall that day if you cross my lane, no way. All your man shall fall that day if you cross my lane. No, you're back to the mat, open and close. Touch your toes, baby, oh yeah, your deep. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, your deep. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, your deep. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, your deep. Kerewa, sarewa, sarewa, ba, kubeniwa, baby girl. Ok, mesdames et messieurs, merci d'être très nombreux pour suivre cette émission Mike Actif. Moi je m'appelle Chris Colorado, le présentateur de cette émission. Je ne serai pas le seul ici dans ce plateau aujourd'hui. Dans ce plateau, il y a l'homme qu'on appelle Nickel et Prims, le producteur de cette émission. Alors si il viendra pour vous expliquer c'est quoi Mike Actif et pourquoi Mike Actif. Qu'est-ce que ça veut dire Mike Actif? C'est alors, sans plus tarder, j'ai appelé Nickel et Prims. Pangamounou, Pangalou, Zingou, comme on dit chez nous, Mendy RC. Ah ouais, Nickel et Prims, c'est vrai, les gens ils entendent Mike Actif, ils savent quoi. C'est quoi Mike Actif? Explique-les un peu, frère. Et si je dois dire en gros, micro actif. Donc chez nous, on active les micros, on active un micro. On passe notre vie autour des artistes qui passent leurs compétences artistiques, leurs épreuves artistiques autour d'un micro. C'est comme ça qu'on l'a appelé Mike Actif. Donc Mike Actif, en gros, c'est une émission qui aura trois volets. Trois volets, donc voilà, trois volets, trois rubriques, donc trois parties, si vous voulez. La première, c'est comme vous en avez eu l'habitude, une partie sur le plateau présentée par Chris Colorado, questions-réponses, où l'artiste aura à vous parler de ses projets proches, ses projets à venir, ses projets, tout ce qu'il aura à dire, voilà, par rapport à ses fans, à sa vie et tout, voilà. Et le deuxième volet, dans genre la deuxième partie, ça sera le street life. Ça c'est un truc nouveau en fait, vous en avez pas eu l'habitude ailleurs. D'accord. Voilà, genre ça sera pas sur le plateau, mais nous irons dans le quartier, au studio et tout, genre vous faire découvrir une vie en dehors de la vie artistique de l'artiste. Okay. Donc la vie que l'artiste passe chez lui à la maison, passe dans son quartier, passe son studio avec ses ingénieurs de son, ses DJ et tout, le reste, vous aurez à découvrir cette partie grâce à Street Life. D'accord. Et après le troisième volet, la troisième partie, troisième rubrique si vous le voulez, ça sera le check le mic. Ça c'est un truc nouveau encore que vous avez jamais vu ailleurs. Une partie semi-life où l'artiste nous fera découvrir ses compétences artistiques devant le mic, bien sûr, parce que nous tout tourne autour d'un micro en fait. D'accord. Chez nous c'est mic actif, tout tourne autour d'un micro actif. L'artiste aura à vous présenter ses compétences artistiques, ça sera devant un micro en mode semi-life et tout. Il n'y aura pas un DJ ou quoi que ce soit, genre ingénieur de son, katamouké et tout, voilà, il n'y aura pas tout ça. Donc vous aurez à découvrir vraiment ce que votre artiste peut faire devant un micro, mode semi-life, instrumental et tout, voilà. Sir, c'est déjà nous proposons la première personne, notre premier invité, l'homme qu'on appelle Poison Mobutu. Alors, on vous laisse découvrir et puis on revient juste après. Mic check. Poison Mobutu. Yes, yes. Ah ouais, actuellement appelé le roi du Zoaïe, quoi. Donc, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre plateau de Mic Actif. Ouais. Déjà, avant de commencer, Poison, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai, t'es connu. C'est peut-être pas quelqu'un présenté, je dirais. Non, mais on n'est jamais assez connu, je dirais. Ah. Tu vois, ouais. Bah, pour ceux qui me connaissent pas, moi, ça fait un bout de temps que je suis dans le rap français à la base. J'ai commencé la musique à l'époque avec les Moussoufa. J'étais dans le même groupe, un peu Banakin, Cozy, tout ça. J'ai un peu tout fait. J'ai sorti un street album en 2006. C'était vraiment là où j'ai commencé la musique, donc c'est pas rap. Après, j'enchaînais avec une mixtape, première injection. Après ça, j'ai tourné un petit film, Ghetto, qui est sorti en DVD, qui s'appelle Dans le dos.
Et après cela, c'est là où voilà, j'ai eu une signature avec Universal Music pour sortir mon premier album en 2009. Après, j'ai un peu fait le tour, un peu, pas du monde, mais un peu le tour de la France, un peu ailleurs. J'ai été invité aux Energy Awards. Je crois que je suis même le premier rappeur congolais avoir foulé le tapis rouge. En fait, j'ai fait tellement de trucs que voilà. Et après mon album, j'étais un peu dans le calme, un peu, tu vois, histoire de s'occuper, de m'occuper de ma famille, tout ça. Et après, j'ai envoyé quelques titres comme si à gauche, à droite. Et 2009 est passé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Après, voilà, j'ai préparé, je suis en train de préparer un projet en commun avec mon frérot Debout KMS. Un projet en Lingala pour Off Matadi qui arrivera, même s'il en a fait une petite pause. Parce qu'il fallait, moi, Rouni, ça, moi, quand même, on a la moitié. Mais ça va arriver pour Off Matadi avec Debout de KMS, Big Up à lui. Et là, voilà, et là, je viens de sortir Roi du Zaïre, un petit single, histoire 2. Il y aura le deuxième titre qui va arriver. N'a pas signé déjà titre en commun dans M23 Music. Net Nandoto, ça arrive. Le Roi du Zaïre, Poison Mobutu. Yes. Nous sommes très, très, très contents pour cela. Mais déjà, à la base, pourquoi les gens t'appellent Mobutu? Mobutu, c'est. À la base, en fait, mon nom, c'est Poison. Après, Mobutu, c'est venu parce que quand j'ai sorti mon album, il y avait la chanson et la pochette de mon album, je suis habillé en Mobutu. Et en vrai, il y a deux personnes qui m'ont vraiment collé ce nom-là. C'est un cousin Mitterrand Champagne et Fally Poupa. C'est eux qui m'ont toujours appelé comme ça partout, à chaque fois Mobutu. Et après, c'est resté comme ça. En vrai, c'est grâce à Fally et Mitterrand Champagne que c'est Poison Mobutu. Déjà, si je me rappelle bien, si j'ai la bonne mémoire par rapport. Je me souviens d'un clip que t'as fait avec Ranson à l'époque. Ouais, à l'époque. T'étais ouais. Déjà habillé en style Mobutu. Exactement, ouais. C'était le premier clip d'ailleurs ouais. Tourné en 5D, je me rappelle. Ouais. C'était en 2009. Ouais. Quand c'était sorti, c'était. Oh, c'est une dinguerie, les gens. C'est quoi ce délire? Tu sais, moi, j'aime pas faire comme les autres. Tu vois? Parce que faire comme les autres, c'est. T'es pas un artiste, t'es plutôt un copieur. Ça, dans mon sang, Roi des Aïrs, je dis ton rappeur préféré, t'es un pompeur. Ils font tous le même délire à peu près. Et moi, j'aime bien innover, j'aime bien faire ce que les gens. Après, t'aimes ou t'aimes pas, c'est mon concept. Après, si tu veux me suivre, ben suis-moi, tu seras pas déçu. Si t'es un peu décalé dans ta tête, tu verras que, voilà, toujours original. Souvent dans mes clips, tu peux voir des artistes congolais de chez nous, tout ça, de renommée. Et j'aime bien, c'est mon concept. Tu vois, Namima a toujours bendé les Nicolo. Aujourd'hui, si tu vois un peu dans le rap français, que ce soit plein de monde, les Lafouine, les Jokes, les machins, qui commencent à mettre du Lingala dans leur rap, les dossiers, tout ça. C'est un peu parce qu'on a travaillé, tu vois ce que je veux dire? Parce que à l'époque, quand on était dans le rap français, les rappeurs mettaient plus les mots en arabe. Ouais, voilà, sur le Coran, nanani. Tu vois, mais maintenant, on a révolutionné un peu ce truc-là, tu vois. Maintenant, les gens commencent à mettre du Lingala dans leur rap, donc on est un peu à la mode, je dirais. Donc voilà, on en profite, quoi, au calme. Mais déjà, Poison. Tu dis, Poison, c'est Poison, c'est quelque chose en bas d'une pavec, hein. Ouais, bah, Poison, c'est. Tu tues dans le rap. Poison, ouais, tu peux. Poison, c'est-à-dire, oui, j'empoisonne des. J'ai toujours un concept un peu décalé, et c'est un blaze que mes amis à moi m'ont donné quand je traînais. À l'époque, avec les gangs, dans les BDJ, tout ça, donc on se donnait chacun des blazes, tout ça. Donc moi, j'avais pris Poison. Mais à la base, mon blaze, quand j'ai commencé le rap, quand j'étais petit jeune, c'était Bleu Dia Quinfri. Un peu décalé chelou, tout ça. Moi, j'aime bien les noms un peu bizarres qui interpellent, tu vois. Donc voilà. Mais déjà avant d'aller plus loin, ouais. À l'époque où on t'a vu, nous, ouais. Dans le projet Banakin, ouais. C'était quoi en fait? Et c'est où? Banakin, c'était nos débuts un peu. C'était moi, comme Philo, hein, Philo qui est le producteur de Bombay Music, qui est aussi mon producteur. Il m'avait pris sous son aile. Il me disait, putain, Poison, t'as un truc, tout ça. Il m'appelait à l'époque Rime Dégueulasse. T'as un truc, tout ça. Il faut que tu sois là. Faut que, voilà. J'étais jeune à l'époque. J'ai fait des, un festival comme, les Francofolies à La Rochelle où je me retrouvais. J'étais avec, Jean-Jacques Goldman. J'étais avec, Zazie. J'étais avec, quand je te dis les grands noms de la musique française, tu vois. Et c'était vraiment un plaisir tout ça, donc j'ai fait des concerts devant les 20 000 personnes avec Monsieur R, tout ça. Et moi j'étais jeune, je baquais tout ça.
Et voilà, après Banakin s'est sorti, Fino m'a dit ouais, t'es pas encore prêt, tout ça, machin. Donc, Zalara, à l'école Nabisso, donc il y avait Youssoufa qui déjà quitté les bails, Cozy, lui-même Philo, Sinistre. Mais moi, j'étais toujours là. Après, voilà, chacun a pris un peu son chemin, tout ça. Moi, Philo, il m'a présenté à son ami Rick Sweet, qui était, que je salue d'ailleurs, qui était, bah, c'est lui qui a fait le poison, en fait. Et après, par la suite, j'ai pu signer avec mon gars, Michael Siani, un pote à moi avec qui j'ai grandi. On a fait le label New One Music. Donc, voilà, on est là. J'ai beaucoup, tellement de trucs à dire que je peux rester là jusqu'à demain. Il y a déjà qui on se demandait ce qu'est Poison, il est toujours à Beaumaillé. Poison, il est qui? Il est devenu? Alors, il y avait trop de questions, trop de rimes. À la base, Beaumaillé Music, avant que ce soit Beaumaillé Music, c'était Pierre Masta. C'était même avant, c'était AIC Prod, je pense. Ouais, après Pierre Masta et la Beaumaillé Music. Non, je suis pas dans Beaumaillé Music, mais je fais partie de la famille Beaumaillé Music. C'est vraiment une famille, on a commencé quelque chose. Après, chacun a pris un peu son chemin. Mais j'aurais pu être Beaumaillé Music. Mais ça se trouve, même un jour, je repartirai chez Beaumaillé Music. C'est vraiment une famille, quoi. Ah, Youssoufa, c'est. Bref, trop de trucs à dire. Ouais. Poison pour tous les rois du Zaïre. Ouais, déjà, on laisse les gens découvrir un de vos clips. De vos clips, pardon. Parce que j'en ai réalisé plusieurs. Ouais. Et puis on revient juste après. Check. Okay. Where else? Sors pas avec un Congolais ou Zaïrois. Tu risques d'être colonisé comme Kerry Wilson. Demande à Serge Ibaka. Mes oreilles sifflent de gauche à droite, j'entends Kozi Nyama Simbiki si. Celle-ci c'est pas un combat Nyama, non c'est un coup de belly. On fout le feu, pas besoin d'essence, j'prends le micro donc pour tes pellis. Y'a rien, y'a que l'homme qui a peur, beaucoup les bonnes n'est vu que Botelli. Ta peau n'est pas du tout customisée, non elle est chocorisée. T'as pas kické sur track, MC bah ouais t'es pas autorisé. Perso j'ai pas entendu d'avoir du buzz négro pour ces redendel. La journée j'bosse pour nourrir la mif et soir, sors sur tes mapelles. Chegué, chegué, chanceux, le copain, basson, la jambe, brique et feuille, fais-moi 22. 2015, les gars, tu me 243, ma tongue et tu m'y amas, ma sa fin de. Haute, couture, Gucci, LV, Jean-Franco Ferré. Étranger en mission, deux, on fait flipper vos rappeurs préférés. J'rappe pas si j'suis possédé, on t'envoie des crocs sautés. Ceci est un coup de CP, soir, ce j'baisse, Marie-Jeanne Polonais. J'fais plus la diff entre l'homme et la femme car mes tantes sont barbues. Bosse pour la mif, vente de la cam, ma banane on se reverra au parlu. Le dièse baisse comme Pepe Calé. Où est passé le coupé décalé? J'ai toujours la tête d'un Sénégalais. L'inspiration vient de loin où t'es balé. Ma daronne fait plus de bif, ton dealer, elle puis grave du carreau live. Comme beauté, salam, salope, c'est 1000 la dédicace. J'ai pas attendu, la vie est belle pour vivre comme un voyou. Les êtres rares qui restent fidèles. Dehors y'a tout n'bando. J'vais tous être guiné sur du Yamato. Mata Moukolo tient de Yamato. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit jeu. Je suis hâle, allez dire à la police. Je bosse pour nourrir la mousse. Bosse pour nourrir la mousse. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit jeu. Je suis hâle, allez dire à la police. Je bosse pour nourrir la mousse. Masta, 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 que des billets tout verts. J'suis venu manger, imbécile. Pose l'assiette et les couverts. Encore une fois, j'ai répondu à l'annonce de Monsieur Mobutu. C'est con. Si t'es pas dans le track, c'est t'as dormi. La faute à la mousse, c'est con. Remix étranger en service. Je sais tes matchs. Sortez les tournevis, le feu du 100-7 et biatch. Mon buton sent le choco. Parce qu'il y a blanchiment, car le volet, je mets du coco pour un drive-by gentiment. Keba, comment te dire, maman ayo, monsieur l'agent. Plein de Zaïrois dans le game, chez Koula, je ferai toujours de l'argent. Banda Jili, Massina, Yolo, Gomeli, Mete, Kitambo, Monga, Poula, les Mangaba, ma tété. Si vous tirez la smooth de la bouche de mes gosses, on va tous vous maltraiter. J'rappe ça en Paris by night. Panakini pas sauté pana. Champonga qui se bat, n'est-ce pas? Maman, pardon, nanana, zo baïnoa. C'est péché Koula, c'est notre technique. J'ai des négros forts, des négros fiables, pas de dev, nigga. Ils vont commenter les barbes de Benzema. Négro la pute est blanche et la Benz est black. Tu séduis pas la France, chope là.
Chécla, chocla. Pas de choco mon négro, mais mon négro moi dans une blanche ça devient un pain au chocolat. T'as rien à dire, ferme-la. Ta gueule, kanga. Regarde mes bras. C'est des kwanga. Guerlain a une odeur nauséabonde. Quand il me check, il me dit tout c'est un pont. Couteau, scorpio, stylo, poteau. J'suis trop petit pour cacher un pont. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre mon dieu. Je suis hâte. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Bosse pour nourrir la mousse. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon dieu. Je suis hâte. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Ramène la weed et le Pepsi. Tous les clichés bitchy sexy. Je me sens comme Biggie dans Juicy. Y'a mes deux et ça sent le roussi. On se retrouve vers Yann Festif. Il pleut des balles comme le Teski. Maintenant ils se mettent tous au Klingala. Sikoyo, Zawap avec poison. Je traîne dans Kim la night. J'ai vu Yamago Aéoba. Sans Kuluna. Supporter des léopards. Baléla, léla, bisso. Dès qu'on se croise sur un morceau. Bah c'est qu'un bisso. Maintenant mes kilos sont trop chauds. Respecte mon travail en culé. J'veux gagner une dada en kilo. Tos sali vous salab. Tiki la nzala. Fais sala qu'on s'arrache en kilo. Chilo. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon dieu. Je suis hâle. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Bosse pour nourrir la mousse. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon dieu. Je suis hâle. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Poison Mobutu. What else? On des mics actifs. Check, check. Nous sommes très heureux de te recevoir encore, nous le répondons à chaque moment. Alors, après pour Maillet Musique, actuellement solo, avec le titre qui vient de sortir, le roi d'Isaïe. Ah, ouais, on va essayer un peu d'avancer les choses. Ouais. Pourquoi le roi d'Isaïe? Roi d'Isaïe, parce que c'est mon concept qui est parti de Poison Mobutu. Tu vois, je suis, comme je t'ai dit, j'ai toujours ce côté où, dans mon rap, que ce soit quand je suis en featuring avec n'importe qui, il y a toujours du Lingala. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit, je suis né à l'époque de Mobutu, à l'époque du Zaïre, tu vois. Donc voilà, je pousse mon concept à fond, à fond, à fond, que ça plaise ou ça plaise pas. C'est... Moi, j'aime ce que je fais et je le défends, donc voilà. Après, voilà, hein, même Zambé, Balina a été, Boakile, Soy. Donc, tout Balina, tu vois ce que je veux dire. Même Michael Jackson, il y a des gens qui l'aiment pas. Donc voilà, après, moi, c'est mon concept. Ce n'est pas copié, tout le monde n'a pas mis faux. Mais je reste dans mon concept. Ouais. Parce que déjà par rapport à l'affiche qu'on avait vue, on a vu l'affiche où il y a les rois, le fée, comment on l'appelle, Kassavubu, Lumumba. Je suis le prochain président. Ah ouais, on s'est dit, ah ouais, ça c'est une révélation. En fait, Samino va poste d'ailleurs, ministre de l'information. Ah, plaisir en plus, t'as là, Maramon. Let's not déjà, et parlant par rapport à... Le roi d'Isaïe, c'est un single ou c'est un album déjà? Non, après je sais pas, peut-être je vais en faire un album, tu vois. Moi maintenant, je suis plus dans l'optique où la Coty Studio, faire un album, tout ça, non. Oui, il y a un projet que je suis en train de faire avec Demoule, c'est un peu un album. Mais de moi-même, tu vois, je me prends plus trop la tête. C'est-à-dire, je vais balancer 2-3 singles. Non, j'aurai température, tu vois, Natal, hein, ça fait plus moins longtemps. Un seul au début, 2009, tout ça, t'as la rare. Mais ce qui est bizarre, comment on arrête, il y a toujours un bon vibe. Mais là, j'essaie de revenir, mon pied. Donc, on va voir. Après, soyez soumis vraiment. Oui, je pense que l'album, je vais l'appeler Roi du Zaïre. Bah, titre, M. Soudé, M23, ans, la 4, c'est dégâts. Bah, surprise, car. Bah, dégâts. Donc, la sortie n'est pas encore officielle, donc. Ouais, mais pour l'instant, c'est plus là. Bah, clip, les canabas écran. Partout. B-Black, Trace TV, B-One, Lo et Bélé. Donc on est ensemble, il n'y a rien. À part là déjà de Boule, votre projet Porf Matadi. Yes. C'était prévu pour le 14 juin. Ouais. 2014, j'espère bien. C'est déjà 2015. Oui, c'est déjà 2015, mais tu connais nous les artistes, je suis pas le seul. Hein. Bah t'es belé, bah, album d'abord même ou pas, ou Til et l'autre, c'est la rare album. T'es belé, t'es obligé de repousser. Après, les aléas de la musique, les gens ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est vrai, t'as essayé date, mais après, les choses font que des fois... Voilà, c'est repoussé, c'est comme on dit, on repousse pour mieux sauter. Donc, pas reculer pour mieux sauter, mais on repousse pour mieux sauter. Mais donc voilà, ça va arriver tranquillement, Bozara calme. Bon, là, que ça me soit pas qu'il y a beau soutenir en haut.
Tu vois, ce Bolini, il y a un projet de Bima. Les lots, tout le monde va demander de bêler Nani na Facebook. Pourquoi Nani? Il me semble lobby, un projet, il est là. Maintenant, tu as préparé ma clip. Là, on a déjà pour Porof Matadi, on a sorti 2 clips. On a déjà 5 clips prêts. 5 clips à dégâts. Tu vois, Fleuve, Kogumo, tout ça. Pour le monde, on a idéologie, Moussoudo. Tout le monde, on a l'icolo mystique. Mais ça arrive, au calme. Ouais. Déjà, c'est quoi? C'était. Déjà, j'ai eu. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'écouter. Un ou des titres du Moxo ouais. Studio, je me suis dit, mais ça c'est du lourd. C'est un truc de fou. C'est hein. du lourd, c'est un mélange. De vous, les boss, hein. Ah ouais. Ouais. Si je me suis associé avec lui, c'est parce que moi j'aime bien les gens qui bossent, tu vois. Moi je suis un peu fainéant des fois, mais j'aime bien les gens qui bossent et ça me motive, ça me. Ouais. Propulse encore plus. J'ai écouté les sons, je me suis dit, mais pour ces là, c'était quoi l'idée de mélanger ces. Faire ces styles ou pas? Oh, je dirais en fait. C'est un concept, tu vois, moi je t'ai dit, je suis toujours quelqu'un qui recherche des nouveaux trucs. J'aime pas faire comme les autres. Les gens de ils disent, ah mais Poison t'es fou, tu fais des reprises de Zaïroa, ça veut dire quoi, tu les suces, tu chantes en Igala. Mais non, c'est juste une fierté. Et nous on a tout un héritage mouné à musique. Les mecs comme les Américains, ils viennent, ils reprennent nos samples, nos trucs. On a les Franco, Lambo Macchia, on a tous ces gens là. Et pourquoi toi tu vas tout soussou Badom, on a mobi ce monde total, non. Il faut innover, il faut faire les trucs. Toi, un héritage, Nakongo, donc voilà, on avance, on fait les trucs. Poison Mobutu. Ouais, mais déjà, ouais. Déjà, par rapport à ces projets, Korof Matadi, il y a des gens, comment je dirais même à Lingala, Zela qui est encore fort. Zela. Pour ceux qui nous suivent à Kinshasa. Même Dr. Dre, il n'a pas encore sorti son album, Detox. On attend jusqu'aujourd'hui. Zela. Et regarde, un projet, s'il lit déjà, le truc, il est fini, ça va arriver. Soyez calme, ça va arriver au calme. Combien de titres déjà pour Il y en a, je crois, 13 ou 15, par là, à peu près. Mais déjà à Kinshasa, les gens se disent, quand est-ce qu'on va, on reverra Poison sur scène? Bientôt, là, on est en train de bosser pour. Thomas, tu ça, moi, sauce, hein, parce que tu vas pas aller faire un concert comme ça, que les gens t'attendent pas. Non, il faut, moi, attendre, moi, appel à Batou. Ce venant te sentir que c'est bon, tout ouvert, y'a pas de soucis, posons à l'issue, y'a pas de soucis. Poison Mobutu, voilà. Le meilleur des rappeurs français, je dirais les meilleurs congolais, la diaspora. C'est le trophée qu'on a. Ouais, voilà, pas moi, c'est. Bangon Baïdisba, bon. C'est pas une langue, vu que ce jour-là j'étais. Parce qu'on vient d'ouvrir une chicha, moi et mon ami Michel Siani, 45 rue d'Aboukir, bar lounge posé, j'étais assis là. Fallait maquiner Londres, moi je suis pas français. Donc il fallait que je fasse le visa, j'ai pas eu le temps de faire le visa à temps. La vanne, là, pendant moi, téléphone, j'ai plus près. Mastana Elvis d'or de London. Je décroche et tout. Ah, Poison et tout. Ah, bah, d'oiseau gang. Des gens, ils gueulaient. Ah, je fais. Apparemment, à Londres, il y a vraiment. Ils aiment vraiment ce qu'on fait ici, tu vois, en France, tout ça, la diaspora. Et voilà, ils m'ont nommé, je les remercie, hein, merci beaucoup. Parce que franchement, c'est un plaisir, Makas. Claudia Bakissa, même elle a un trophée dans la Claudia Bakissa. Avant de nous chez Kounan à Londres, même elle a un trophée dans la. On est ensemble, il n'y a rien. Mais déjà, on laisse toujours 2 ou 3 minutes à notre invité de s'exprimer librement l'idée qui lui vient en tête, en fait. Nous vous laissons 2 minutes de parler. Ouais, soutenez-moi, soutenez les projets. On va essayer de vous mettre bien pour vous siper là-bas, mon nom, ok, voilà, tout, travailler, tout ça. Moi, Namboka, Poison, Mobutu, alias Arnaud et Longa. Donc, on est là, tranquille, au calme, soutenez-nous, les projets vont arriver, surtout Nabeti CT, ma Porof Matadi. C'est un très bon projet dédié pour le Congo, en tout cas, bon, siper à Nango. Moutou, Oaro, Somba, 10, Yohana. La moitié un bon réseau qui n'est pas ma femme violée, etc. C'est vraiment un vrai concept. Big up à Trésor Loi Loi et Loi Vision pour la production de ce projet. Et big up à mon producteur aussi, Michael Siani, pour notre label New One Music. On est ensemble, y'a rien. Where else? Hein? Check. Chris Colorado, Nicolas Prime, Charlie HM. Nous disons merci à Poison Mobutu d'être là présent, nous soutenir nous pour ces numéros. Merci beaucoup à vous et ouais. Ça fait plaisir. Milan Aboufo ça là m'a trop quoi. Tu vois, nous inviter un peu, messager. Ça va combat d'âge mais tout prier carrément. Ouais, non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Donc on est là pour soutenir et bimandé bien propre et les canner bien. Et ça a du plaisir sur ma casse. Merci. On reste toujours connecté sur Mike Actif.
si je te dis que c'est des potes, c'est même des petites sœurs de wesh, il faut me faire chier. Moi, je prends un causaï, moi. Là, tu ne prends pas pour un causaï. Je te dis la vérité. Et mes frères et sœurs, et mes potos, regardez ce qu'il est en train de faire. Chaque les fesses et tout. On a des enfants à la maison et tout. Il y a d'autres papas irresponsables. Ils partent au boulot du matin au soir. Ils sont là, ils regardent la télé avec leurs enfants dans son foyer. Ils regardent le truc comme ça. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ta pêche, toi, tu vas garder la pêche. Je te dis, hein. C'est la vie de la mère, son mère. Chris Colorado. Check. On ensemble. Attitude de rebelle. Mon docteur l'hôtel, je cherche le zèle. Ouais, c'est ça. Y'a moi là. Y'a moi là. Dain, trop plus sommeil. De rebelle, c'est pour rentrer en fait, tu vois, j'ai l'attitude de rebelle. Pendant que t'as l'hôtel, je cherche l'oseille. Hein? Tu vas quitter la vie comme Faudel. Tu quitteras la vie. Tu vas quitter la vie comme Faudel. Tu vas quitter la vie comme Faudel. Mon fuck, frère. Je suis encore une exergue du fils. Joe, tu mets direct au refrain. C'est dur à la musique. Ah ouais, c'est très dur même quoi. On bosse. On aime ça en même temps, tu vois. Les gens ils pensent que c'est facile, ils écoutent directement. Puis ils disent, ah c'est pété. Mais t'as vu, on se prend la tête à trouver les mots. Ah ouais. Non frérot, là c'est le coup. Deux mesures, je rentre au refrain, c'est le refrain que je fais là. Mon retour n'est une affile, mon soirée n'est une affile, je vous la femme n'est une affile, n'est une affile, n'est une affile, c'est du sale trap, n'est une affile. N'est une affile, n'est une affile, n'est une affile, n'est une affile, n'est une affile. N'est une film, 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 n'est une film. C'est du sale trap, n'est une film, la mort de Charlie Hebdo, n'est une film, en gros sans le fret, n'est une film, n'est une film, n'est une film. Ça c'est le son n'est une film, ça arrive. Lourd. Après Roi du Zaïre, Nitina film. Vous comprenez tant que rien. Attitude de rebelle. Pendant qu'à l'hôtel, je cherche le zèle. Je trouve plus le sommeil. Et tu dis qu'elle t'a plu, qu'elle est trop belle. Les ailes, tout le bordel. Tu vas quitter l'asile comme Faudel. Ceci est une quenelle. Mariano Toki style sur ma quenelle. Moi, je blose. Dieu, ben les amis, on continue les stories. Là, on est au studio. Studio Nangala, Master Nangala, Joe Black Voice, dit un petit message pour le bled. Ouais, c'est Joe Black Voice, ingénieur son de Poison Mobutu. On est au studio après Roi du Zaïre. On fait les nouvelles tunes, les nouveaux sons qui vont tuer. Il a dit le titre, le son arrive, il arrive lourd. Donc juste écoutez, attendez, soyez patients, ça arrive. C'est toujours d'ologie, toujours. Le son il est lent. Tu vois, c'est pas banger comme de ouf. Mais ça c'est un banger pour les mecs qui aiment bien rouler, qui aiment bien écouter les paroles, qui fait. C'est du vrai rap, tu vois. Quand on voyait ça, ça va arriver Netina film avec un gros clip comme d'habitude. Bon, c'est tout là. C'est un retour aux sources. Netina film. Mon retour, Netina film. Je vous rafale, Netina film. C'est comme as, on est ensemble. Thank you.
what else. On a ramené les corps, on a ramené la sable, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. On a ramené les granda, en coro, le nerf en bois. Tout ça c'est nous, tout ça c'est nous. Je crois qu'ils n'ont pas compris que je les baisse depuis le dictateur is back. La récréation est finie. Chante ma hutte dans mon bunker. Ton rappeur préféré est un pompeur. J'ai trop traîné en bas. Personne ne m'a renvoyé l'ascenseur. Rafale tu sais pédé. Bambata est bêlé. Afrika Bambata m'a aidé. J'ai encore la dalle négueuse, je vais pas céder. Je n'attends pas que P2O me valide. Pour m'acheter du Versace. Appelle-moi roi du Zaïre. Je n'arrête pas de te le dire. Traîne avec des fouteux. T'as dû me voir dans une soirée ou deux. Regarde-moi bien rageux. Je t'envoie une bouteille et je te mets hors jeu. Bolingi nini. Attends, bo, yini. Un drive by en mini. Un crime morandini. Roi du Zaïre. On a ramené les coffres, on a ramené la sabre, on a ramené l'ingala. Roi du Zaïre. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. Roi du Zaïre. On a ramené les granda, en coro, le nerf en bois. Roi du Zaïre. Tout ça c'est nous. Tous ces bitches ils parlent sur moi. Je leur souhaite qu'ils attrapent sida. Tous ces six n'est pas du trap. Mais un putain d'assassinat. Neguez, Ali, Thomas, yeah. Un donkey dans le poulailler. Ça y est, j't'ai pas, yeah. Opération Likofi Kulunada. J'vais entre le bled et Paname. Fisulé au parc sa dame. J'dois que les meufs en disent de j'aime. Sur Instagram, toi. Arrête tes blabla. Quand on sort le truc, ça fait blabla. Continue aux OP sans la canda. Je faisais des choix à race sans Mukanda. J'ai connu trop de galères. Avec les BDJ, je faisais mon salaire. J'ai beaucoup trop de douleur. Reçois la foudre de ma colère. Roi du Zaïre. On a ramené les coffres, on a ramené la sabre, on a ramené l'ingala. Roi du Zaïre. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. Roi du Zaïre. On a ramené les granda, en coro, le nerf en bois. Roi du Zaïre. Tout ça c'est nous. Tout ça c'est nous. Yeah. 20 ans d'avance sur vous. À l'époque ils foutaient notre gueule. On portait du Versace. Des pantalons en cuir. Et aujourd'hui tout le monde porte des pantalons en cuir ma gueule. Cheer. Trop d'avance. Comme Jim Nagios. Sur Jamel de Pouce. Ah ouais, c'est Rika Chalet à la Real, Douglas Pro, Mystica Visio. Ah ouais, nickel les Primes, ils ont vu non? Bah oui, bien sûr que vous avez vu la première émission des Mike Actif avec Poison Mobutu. Toutes nos portes sont ouvertes et tout, pour tous ces artistes qui veulent participer, qui veulent passer l'émission et tout. Vous avez tout le contact, les adresses e-mail et tout. Et en plus, à tous les fans de l'émission et tout, nos boîtes aux lettres sont ouvertes pour vos suggestions et tout. Tout ce que vous voulez apporter, c'est vraiment, c'est ouvert quoi. Et vraiment, comme on a dit, c'est cash à la Réa, à la Réa et Douglas à la derrière la cam et tout. En tout cas, big up à vous. Ah ouais. Et Lio Mbala et tout, enfin, vraiment, et tous ceux qui nous soutiennent et tout, vraiment, big up à vous, l'émission,
on est là quoi. On dit big up à l'homme qu'on appelle Tenzaman. Yafoy mon gars. Voilà, tu sais comment ça se passe, frère. Tenzactif. On dit people. Voilà, new people, toujours actif et tout, voilà. Big up à toi, frère. Big up à l'équipe, voilà, l'équipe elle est tellement grande qu'on peut pas citer le nom de tout le monde et tout, mais tous ces mondes qui se sentent concernés, vraiment, big up à vous. Big up à tout le monde, Chris Colorado, Nickel et Prims, on se dit à la prochaine. Merci, tchac. Barry Bonus. Starboy. Them say them bad, but I swear them do nothing, no way. Them say them go throw me punch, but I swear them no reach, oh eh. 20 man shall fall that day if you cross my lane, oh eh. All your man shall fall that day if you cross my lane. No, you're back to the mat, open and close. Touch your toes, baby, oh yeah, your D. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, your D. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah, baby, oh yeah, your D. Back to the mat, open and close. Touch your toes, oh yeah baby, oh yeah yodi. Kere wa, sare wa, sare wa gba. Kogbeni wa, baby girl, besoke, besile.